Bonjour à tous les amis. Qui voilà? Bonjour tout le monde. Ça va? Tranquille. Nous sommes le jour du solstice d'hiver les amis, le 21 décembre. Et nous sommes au pied du rocher de Roquebrune, aux deux frères, avec Ludmilla donc. Belle journée. Et oui, magnifique. Hein. On a de la chance. C'est super fait. On a un super soleil, pas de vent. Franchement, une super journée qui s'annonce. Voilà, donc de retour dans le Var, hein, avec les deux frères, filmés précédemment. C'était il y a combien de temps? Deux mois. Presque deux mois. Presque deux mois qu'on était venus ici. Et alors, on a déjà remarqué quelque chose avec Ludmilla. Les roches se sont recouvertes de mousse, ce qui donne une teinte plus verdâtre au paysage. Ouais, ça a changé un peu hein, depuis deux mois. Ouais. Avec la pluie qu'il y a eu ces derniers temps, ouais, ça donne des... C'est encore autre chose là. C'est un petit aperçu. Hein, ouais, là c'est un petit aperçu, mais juste avant, regardez, genre en face là. Moi j'ai pas le souvenir que c'était vert comme ça, hein, les roches. Hein. C'est carrément tout recouvert. Ouais, super sympa. Hein. Donc les amis, aujourd'hui, c'est bien simple. Hein. En cette journée du solstice, de l'automne à l'hiver, on va tout simplement monter aux trois croix que l'on voit vaguement d'ici. Elles sont à 2-3 km tout au plus. Voilà, donc une journée tranquille, dans la bonne humeur. On va fêter ce solstice à notre manière. Voilà, en plus au parking il n'y a vraiment pas beaucoup de monde, hein. Donc il se peut qu'on soit peut-être tout seul durant cette journée en ce lieu, au rocher de Roquebrune, pas loin de Roquebrune-sur-Argent, dans le Var donc. Et voilà, hein, donc on va s'enfoncer à travers ces paysages magnifiques. Ouais, c'est vraiment autre chose. Hein. Dans l'espace de deux mois, ça... Ouais, voilà, regardez comme ça s'est recouvert. Tous les rochers, pratiquement. C'était quand même les teintes un peu rougeâtres ocre hein, qui dominaient il y a deux mois. Et là, ouais. Regardez cette mousse. Elle était déjà là, mais elle s'est bien... Regarde, c'est pas sympa ça. Regardez, toile d'araignée avec les gouttes de rosée dessus. Super. Bon, les amis, voilà, nous on va partir dans cette direction. On se rejoint un peu plus tard sur le sentier. À toutes. Alors ça, c'est un abonné qui peut nous expliquer. Oh, cette mousse. C'est pas mal. Ah, mais il y en a partout. Hein. Ouais, il a plu hier, donc... Non, on s'approche, les amis. Hein. Quelle belle journée, là. Sans rire. Regardez ce qui s'offre à nous. Voilà, les trois croix qui sont là-haut. Bon, on va essayer de pas se planter comme l'autre fois, parce que l'autre fois on a pris un itinéraire bis pour arriver au sommet. Mais c'était pas le plus simple. Hein. Donc là, on va essayer de pas se gourer.
comme on avait fait le retour, la descente du bon côté, normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Regardez ça les amis. Faire gaffe hein, parce que ça peut glisser par endroits. Pleine transition énergétique avec ce changement de saison. Quoi de mieux que de fêter ça dans le vert. Dans le vert et au sommet de cette majestueuse montagne. Ouais, on a pris le temps de se poser. C'est vrai que l'autre fois on n'était pas seul. Donc là c'est vrai que on prend beaucoup plus le temps de savourer, de se poser, de ressentir. Ouais, c'est vraiment un lieu. C'est vraiment un lieu particulier. Il y a un vrai tellurisme ici. Ouais, alors la présence de mousse, comme on disait tout à l'heure, ouais, ça peut s'expliquer avec toute l'eau qui ruisselle, qui stagne par endroits. Voilà, et puis d'un vallon à l'autre, on change complètement de paysage. Je pense pas qu'on les voit les croix hein, à la caméra. Ah ouais, là on est sur le GR. Hein. Alors, bon, le parking, d'où on vient. Et voilà. Ah ouais, c'est là que ça se joue les amis, c'est dans pas longtemps. Parce que ça part, il y a un sentier qui part sur la gauche et le passage il doit être là en face. T'es où? T'es là? Oh, c'est tout trempé. Hein. Oh là là, ça ruisselle. Hein. Oui, parce que... ouais, moi, je crois que c'est là qu'on a commencé à monter dans les palais. Ah bah, il y a quelqu'un. Il va peut-être nous... Une personne providentielle. Ah, il y a... Ouais, là, c'est d'où tu viens. Moi, oui, donc ça, ça fait juste le tour, là. Ouais, mais ça continue, là. Hein. Non, moi, je suis venu d'en bas. Puis là, ça continue, ça monte. Enfin, c'est par là, après, qu'on a commencé à crapahuter, hein, que... Je me disais quand même bizarre. Tu crois que c'est par là qu'on est revenu l'autre fois? C'est par ici? Peut-être un peu plus haut, non? Allez, de toute façon, il y a quelqu'un. Une personne providentielle encore, peut-être. C'est comme des fleurs particulières aussi d'hiver, de l'aurum. Ça fait un peu fleur exotique, quoi. Ah oui, tiens. Elles sont belles, hein. Mais ça fait presque comme la plante carnivore. Mais... Oui, on pourrait croire, mais c'est l'aurum. L'aurum. Oui, ça ressemble à une plante carnivore. Mais alors ça c'est une plante cicatrisante, à la feuille, elle est hyper cicatrisante. Si tu la coupes en petits morceaux, tu peux la mettre dans l'alcool, elle se conserve du coup. Puis si t'as une plaie, tu mets directement la feuille sur la plaie avec un sparadrap. D'accord. Vraiment c'est une feuille qui garde 2 ans quoi, dans l'alcool. Dis donc. Oui, ça a l'air assez hallucinant. Hein. Ouais. Ici on a trouvé des fougères. Ouais, en temps normal c'est pas trop la saison quoi, mais ici il y a des fougères. Bon, on va demander. Bonjour. Bonjour. Vous revenez des Trois Croix, je suppose. Ouais, voilà. Il y a deux sentiers. L'autre fois, on a pris un sentier qui partait plus vers là. Ouais. Vous savez à peu près où c'est Non. Il n'y a pas de souci. Je sais, c'est vu des personnes, étaient le sentier de l'autre côté pour descendre par là. Ouais. Après, je sais pas. Ouais, parce que l'autre fois, on s'est fait avoir donc. Non, le principal, la voie, c'est celui-là normalement, d'origine. D'accord. Moi, sur mes cartes de randonnée, c'est l'autre d'origine, c'est celui-là. D'accord. Bon, ça marche. Merci beaucoup. Ouais. Bonjour. Par contre, pour arriver presque à la part, il faut vraiment faire gaffe, c'est une porte. Pour bien se tenir, c'est raide. Oui. Ouais, très raide. Merci beaucoup. Bon, on va bien voir. Hein. Voilà, donc là on attaque vraiment la dernière montée et
Les amis, il fait chaud. Oh mais il fait chaud quoi, je transpire, truc de fou. Je vais m'enlever des couches là. Sinon je vais arriver trempé là-haut. Oh. Alors. Parce que là il y a un sentier qui part là et on a un ici. Peut-être que c'est ici qu'on s'est planté l'autre fois. C'est peut-être ici. Là, il me semble, hein. Ouais, c'est ça. Non, on est bon, hein. Je crois que c'est vers ici qu'on s'était planté l'autre fois. On est parti à droite. C'est ça, c'est exactement ça, je m'en souviens. Et voilà, c'est ici que ça commence. Les amis, je vais m'enlever une couche. Et on se retrouve dans la montée, jusqu'au sommet. Regardez ça. Proche, les amis, du sommet du rocher de Roquebrune avec ses trois croix par le bon sentier cette fois. Ouais, la fameuse corde en question qui parlait. Alors il y a une petite brise hein, là, mais bon, comparé à l'autre fois, on va pas se plaindre. L'autre fois, c'était quand même des conditions largement plus défavorables. Hein. Oh. J'attends d'être là-haut, les amis. Même si pour la plupart d'entre vous, la dernière fois, vous avez déjà vu la vue. Mais là, avec le temps qu'on a, ça va être d'autant plus appréciable. Et il fait incroyablement doux. Incroyablement doux. Allez, hein, on devrait plus être très loin maintenant. Ouais, l'autre fois, on s'était pris des rafales dans la tronche. Je vous invite à voir ma vidéo. Pour ceux qui ne l'auraient pas vue. On s'en était pris plein la tronche. Là aujourd'hui c'est vraiment autre chose. Et je pense qu'on va rester un long moment là-haut, auprès de ces trois croix dont j'avais raconté la légende dans la vidéo précédente. Très content d'être venu ici. Très très content. On y est. On y est, ma chérie. Déjà, je vais aller là, en attendant qu'elle arrive. Ouais, on a beaucoup de chance. Très peu de vent. Très, très peu de vent. Regardez ça. Elle. Elle est là. On y est. Il y a du monde. Ah, le vent me décoiffe. Je crois que c'est les deux qu'on a croisés au parking tout à l'heure, avant qu'on prenne la caméra. Les trois croix, les amis. Voilà, donc l'autre fois on était arrivé de l'autre côté. Beaucoup plus critique comme passage.
Vous avez trouvé? Oui, bah ouais. C'est bon? Ouais. Tranquille. Alors, pour chacune de ces croix, le sculpteur Bernard Yenné a choisi de rendre hommage à trois artistes majeurs de l'histoire de l'art. Il s'est inspiré de célèbres crucifixions peintes au 14e, 15e et 16e, chef-d'œuvre de Giotto, Gundewald et de Gréco. Ouais. Merci, merci. Bougez pas. Ouais, c'est vrai que ça, l'autre fois, on n'avait pas filmé. Il y a quelqu'un qui a vandalisé. Oh, les amis, oh, je transpire, quoi. Je transpire. Voilà, nous, on était arrivés par là, l'autre fois. Par là, en bas. Et on s'était fait chier. Hein. Et on était allés à cette croix-là. Voilà. Là. Regardez, je sais pas si on voit bien avec l'ombre. Toutes les roches se sont parées de cette mousse verdâtre. Voilà, il y a du vent. Il hein. Y a un petit peu de vent, mais beaucoup moins que l'autre fois quand même. Hein. On n'a pas à se plaindre là aujourd'hui. Regardez ça. Regardez ça. Ah oh là 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 là. Quel spectacle là. Quel spectacle. Pas mal, hein. Pas mal du tout. Elles sont parties du coup. Pas mal. On va être seul ici. Aux trois croix. Ah. Ouais, je pense qu'on va se poser quelque part par là. Ouais, c'est beaucoup plus plaisant que l'autre fois, hein. Beaucoup plus plaisant. Ouais, ouais, là je sens qu'on va pas rester un quart d'heure, 20 minutes comme la précédente sortie. Là je pense que ouais, on a tout l'après-midi, on va manger. Regardez ces crêtes. Bon, elle va arriver. Les amis, un peu plus tard. Un peu plus tard, en fin de journée. Quand on aura bien profité et qu'on se sera bien imprégné de ce lieu magnifique, magique, je dirais. Allez, à toutes. S'est un peu levé, on s'est couvert les amis. Comment ça va? Ça va bien.
ça fait un petit moment qu'on est là. Hein. On le voit au soleil qui part doucement. Magnifique. Tu fais plus grande que moi là. Entendez bien malgré le vent. Il y a eu un groupe de quoi tu dis? Hollandais je pense. D'Hollandais, très bruyant. Ils étaient une dizaine. Ah oui, on a fait une petite méditation juste avant. C'est vrai que ça a contrasté. Hein. Oui, ils oui. viennent juste de partir. Mais bon, oui. Ils ont le droit de venir aussi. Ah oui, mais c'est sûr que cet après-midi, il ouais, y a du passage. Hein. Ouais, il y a quand même du passage. Hein. C'est une randonnée très connue. Regardez, avec à la croix qui est là-bas, il y a un petit groupe aussi. Non mais bon, on s'est régalé quand même. Très belle journée, très beau temps. Et ouais, franchement. Ouais, pour le solstice. Ça fait... Ouais, en cette journée particulière de l'année. Ouais, comme vous pouvez le voir, on s'est recouvert, hein, parce que en montant on a transpiré, mais dès qu'on s'arrête et une fois au sommet, c'est plus la même, hein. Surtout le 21 décembre. Bah écoutez les amis, on espère que cette vidéo vous a plu, nous en tout cas on s'est régalé, on va redescendre gentiment, et puis on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao.